Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 de Baldur's Gate qu'on n'a pas du tout retourné pour une erreur de pickpocketage qui a mal tourné. Et on est toujours avec Arda, Domek Salut! et Ademir. Et salut! bonjour! C'était pas du pickpocketage, c'était du crochetage. Ouais. Globalement, on revient au même. Ce qui, globalement, on Globalement. revient au même. Allez, C'est faites le mal, mais faites le bien, ben on l'a pas bien fait. Alors. On va reprendre ces trois-là qui je que je ne peux plus entendre. What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Persuasion. 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 Yep là. Ça va le faire. Ouais, Allez. Allez. 24 sur 20. Ok. Thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergen. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. On peut lui parler à... au mec là, Roland. Quoi, faut lui reparler? Ouais! Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. And what about us? Oh. There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists. J'ai fait un jet d'insight, mais je sais pas pourquoi. Our best chance to make it to Baldur's Gate. Ah, t'assistes au dialogue ou t'es à côté en train de galoper? Non, j'étais en train de marcher. You are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. His name is known far and wide, I see. Few can match him in terms of raw power and talent. Until now, that is. In years to come, you will boast of this meeting, I can assure you. May we meet again in Baldur's Gate, my friend. Pas du tout arrogant le gars. Let's go, on s'est fait un pote. Oh si, je vais pouvoir parler au bœuf. Un pote, je sais pas trop, hein. Moi il me sortait un peu par les yeux le gars. Ah bah oui, mais on va se servir de lui. Oh, attendez, on peut boucher le caillou là. Le bœuf a faim. Ah non, je veux juste m'asseoir dessus, pour moi. Le bœuf a faim, non. D'accord. Hop là. Ah, y a ici... Un kit pour désarmer les pièges. The keepers of this place. Sympa ça. Hein? Voilà qui. Je suis en train de chercher pour une ouverture entre les cailles. Mais j'ai moins un d'un tel. Ah. Ouais, t'as l'air d'être très perplexe de ce qui se passe. Hein. Bah, j'ai fait 9, du coup ça fait 8. Dommage. Moi je vois juste son perso qui est là. Hein. Son perso il était en mode. T'as pas une petite guidance là? Si je peux t'en mettre une. Mais... Hop là. Non, tu laisses les gens intelligents faire. Hop mais là. Tu peux jouer là, enfin tu peux. Chercher là. Et moi je vois juste son personnage qui a une espèce de, je pense, une attaque cérébrale, hein, parce que, enfin, tu bouges pas. Investigation ratée. Bah loupé, hein. Bah ouais, loupé. Et bah tant pis. Bon, là dans le coffre ici, tu peux... T'as des trucs à looter. Est-ce qu'on retourne dans la prison pour explorer la porte? Ah là, ouais. Alors, où est parti Katox? Mais je parle au bœuf. Ah, t'as pas fini de parler avec le bœuf? Mais il y en a trois. Ah d'accord, tu parles avec chacun d'eux. Et alors, c'est intéressant ce qu'ils disent. J'arrive, Arda. J'espère qu'on va réussir à détecter la porte. Ah oui, mais il va y avoir le dialogue d'abord avec ces... Quelle porte? Ah, c'est génial, attendez, il parle au gnoul. C'est pas un gnou, c'est un bœuf. Oh, c'est un bœuf au gnou.
Et est-ce que ça vaut le coup? Ah bah on va voir. Je suis sûr qu'il va avoir plein de ragots à raconter. Là je viens de repérer que c'est un bœuf qui est un peu bizarre, donc je lui dis, il fait tu pourras pas comprendre, et je lui fais très bien, alors les gens vont te bouffer. Ah ça peut s'arranger mec hein. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate with or without the rest of these. Oh, il y a un forgeron aussi. Est-ce que vous avez parlé au forgeron? Où ça? Ah, c'était le marchand. Ça. Ah, c'était un marchand. C'est un marchand. Ouais. Bon. Donc on va à la prison. Ah, bah Katox, il est encore en train de reparler à un bœuf à tous les coups. Non, c'est bon. Allez. Vous êtes parti où? Ah d'accord, par là. C'est dans l'endroit où je n'ai absolument pas du tout été. Oui. Ah oui, super, j'ai trouvé ma courgette avec des patates. Yes. Attends, je chope des poutures aussi, hop. Put it down. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you all right. Oh, j'ai pas envie d'intervenir. Laissez la survivre. Est-ce qu'on me voit en arrière-plan en train de courir dans tous les sens? Ouais, très bien. Ok, tout ça pour ça. Et avec quoi? Je lui ai reparlé et juste tu peux faire tu peux faire une sauvegarde vite fait avec un truc. Je voudrais la loot, mais j'ai pas envie de tout recasser. Y'a rien, y'a rien dedans. Bah je peux la loot. Elle a rien sur là? Non, elle a rien. Ah oui, il y avait une porte. Bah oui, il y avait une porte. Ça va nous faire arriver, je pense. Hein. Ah bah ça se trouve, c'est derrière les cailloux là. Passage souterrain. Oh, il y a un truc bleu sur un mur. Il y a une rune, la rune du de l'ours. Il y a des gobelins au fond. Oh. Ah, putain. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas, mais ça fait pas. Il y a une statue. Statue de gardien. Statue. 65 PV. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, mais elle nous attaque. Mais faut pas lui taper dessus. Non, ça ne marche pas. Tout qu'on lui fait. Ah non, mais c'est parce qu'il faut faire ça, ok. Faut faire quoi? Faut aller cliquer sur le truc. Quel truc? Là. C'est bon? Ah oui, c'est bon, ça a l'air d'être. Ah, par contre, du coup, je suis dans un. Des discussions avec Warrior Gresh là. Ah oh, putain. Ok. À la limite, je sais pas si vous pouvez être en mode hiding pour avancer peut-être. Si, si, moi je suis en. Ouais, mais... mais je peux pas avancer okay, plus. Trop tard. Attends. Oh, ils ont pas l'air d'avoir énormément beaucoup de PV. Hein. Est-ce que. Bon allez. Oh, j'ai raté quoi. Waouh! Oh la vache! Douloureux. Je sais même pas si je vais avoir besoin d'intervenir. Ce que tu viens de leur mettre, tu viens d'en tuer! Tu viens d'en mettre shot! Oui, alors là, j'ai des spells maintenant! J'ai des spells et ils font mal! Tu viens de one shot deux mecs! C'est incroyable! Et surtout que ouais, maintenant je peux taper à distance, je peux taper au cac, je peux. Genre, il se passe des choses quoi. Oh là, il y a un gars là-haut. Ouais. Il y a une statue de gardien aussi. Ah. Je suis pas sûr que tu l'aies désactivé. Ouais. Ah non, si. Elle a l'air d'être désactivée. Ah ouais. Ouais, j'espère. Bah, non, il y a un autre. Il y a un autre. C'est une statue de gardien d'aigle et du coup la rune elle est là-haut. Je sais pas où tu la voyais toi la statue. Par contre, je l'ai pas vue. Elle est où? Ah mais il y a un gars inconscient au sol en fait. Ouais, il y a un druide qui va peut-être falloir... Je sais pas s'il est inconscient ou...
Il n'a qu'un PV, il faudrait peut-être le sauver. Ouais. Faut pas le taper quoi. Bien joué, l'invocation du marteau. Tu la voyais où, la statue, Katox? Bah dans le turn order à la fin. Et loulou. Je kiffe le marteau qui se déplace quoi. Ouais. À la limite, tu peux lui passer une potion à Michel là. Bah on va peut-être défoncer le dernier gobelin qui reste, non? Ouais mais je préférerais qu'il crève pas le pote là, non? Attends, je mais peux faire un petit mode guérison. Il est inconscient, ah. il est stabilisé, hein. Je crois pas qu'il soit mourant. Je sais pas. Ah, il est pas mourant, non. T'as pas le symbole. T'as pas un petit truc à distance pour lui faire 2 PV? J'ai ça. Oh non, on va voir si ça marche. On va lui tapoter sur l'épaule et ça va être rien. On pouvait juste l'aider, hein. On est pas obligé de dépenser des sorts. On lui parle plus. Oh, thank you, bonjour. Thank you. I thought I was gonna die down here. Oh. Oh, cette gueule. Bon, c'est pas trop vite, je suis ici pour finir ce qu'ils ont commencé, mais je viens de te soigner en fait, mais... Non. I'd still be outside gathering herbs if I didn't run into the goblins. I must tell the others what happened. I step careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. D'accord. Je vais aller désactiver la statue là. Ah, c'est ce que je m'apprêtais à aller faire. Hop, c'est désactivé. Voilà, il y a une tablette là-bas. Ah, des Thieves Tool, let's go. Ah, il y a un spell pour toi là. Je sais pas si Ice Knife tu l'as déjà, mais il y a un spell dans une caisse. Il y a un spell dans une caisse? Ouais, la Wooden Crate la plus haute, là, la plus tout en haut. Il y a un spell dedans. Là, ici. Attends, parce que j'ai vu la rune du loup là. Ouais, tu l'as repéré aussi. Ouais, c'est pour ça que je vous disais de. Ah, c'est trap? Bah, je m'éloigne. Y'a pas quelqu'un qui a une. Attends, peut-être. Ça, c'est peut-être comme ça. J'ai envie de. T'es sûr? Non, recule. Recule! Mais non, t'inquiète, je vais l'avoir. Et c'est lockpicked. Enfin, j'ai fait 25. Oui. Ah, bah écoute, je pense que ça va te plaire, ça. Arda. T'as pris quoi? Bah, regarde, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tiens, pas de problème. J'ai un petit truc pour toi, j'ai l'impression. Ah, j'ai une clé noircie par le feu. J'ai absolument pas lu ce qu'il faisait, mais j'ai l'impression que ça a l'air. Ah, c'est polyvalent. Piège de la nature. C'est pas bon hein, pour toi ce truc-là, polyvalent? Je vais regarder. C'est un quarterstaff, c'est ce que t'as, c'est pour ça. Si vous avez trouvé un coffre quelque part, j'ai une clé. On avait un coffre, mais je l'ai ouvert à la mano. Ouais, t'as réussi ta vie pour rien. Bah, ça change pas grand chose au final. Ah oui, quand on passe avec. quand on passe avec une torche sur du pétrole. Ça pose des problèmes. Est-ce que je prends un des tonneaux? Allez, vas-y, j'ai une autre porte ici si jamais. Hop, j'ai pris un tonneau. Il y a un passage là derrière. Je voulais que je sorte pour voir où ça mène cette porte ou c'est vraiment pas fini ton endroit? Ici j'ai une deuxième porte. Vas-y, je vais sortir là où je suis pour voir ce qui se passe. Bah voilà, tu me dis. On va éviter de se lancer dans 4 combats en même temps. Ouais, c'est pour ça. Ça m'a lancé un dé. Je suis arrivé. Bah c'est à la suite à la gauche de l'entrée de tout à l'heure là. Ah, t'es ressorti quoi? Ouais. Bon, je vais voir ce que ça donne cette porte là du coup. Bibliothèque de l'enclave. Bah j'arrive. Vous êtes tous là-bas? Oh là! Sympa cet endroit là. Ouais. Faudra déposer des trucs dessus en fait. Ouais, mais on a rien à déposer. Et
y a rien. Donc j'essaye d'ouvrir la porte. Ouais, ah, il y a une porte. Comment? Oui, oui, il y a une porte, mais on peut pas l'ouvrir. Hein? Tu peux la lockpick ou pas? Non, mon bonhomme il vient de dire je vois même pas de serrure accrochée. Peut-être qu'on la découvrira un peu plus tard, ce passage. Il n'y a pas sinon une... Dans mon avis, oui. Ça se tient. On est en train de court-circuiter tout le game, en fait. Bon, je pense pas, mais... Bon. Moi, ça servait à rien d'aller au sud, hein. Si jamais. Je veux juste savoir exactement où ça donne. Ouais, pareil. Parce qu'en soi, si c'est une sortie, c'est tant mieux parce que. Ouais, mais c'est une sortie en dehors de la ville en fait. Ah, ouais. Oui, ça nous intéresse pas du tout. Sortie cachée. Ah, bah, y'a peut-être ceux qui arrivent pas. Bah, non. Ah, oui, d'accord. C'est la suite quoi. Enfin, faudra qu'on y aille tout à l'heure pour aller à la cache, je sais pas quoi, machin là. Bon bah hop, demi-tour. Et ben on ressort du coup. Ah, vous êtes reparti par Je suis retourné en prison. Bah oui, on va retourner dans le bosquet, voir un peu faire la quête qui sont là-dedans quoi. Ouais bah ouais, bah, je vais passer par l'extérieur. Il ira plus. On va voir qui c'est qui va le but. Ça sera sans doute vous, parce que moi je suis passé assez tardivement. Ah, mais le bosquet, ils l'ont fait. Si tu non, tu restes devant, la porte s'ouvre. Oui, effectivement, la porte s'ouvre. On se retrouve à la place du marché ? Allez. Ou on se retrouve ailleurs ? Non, bah là... Peut-être à la suite, là, on va descendre... Là où il y avait les gosses qui volaient la thune. Là où il y a les gosses qui volaient la thune. Ouais, je suis en train de leur parler là. Alors juste à côté, parce que moi j'ai pas envie de me faire voler mon argent. Même si j'ai zéro PO. Je veux pas qu'ils me volent ma petite balle qui fait pouic. La magnifique balle qui fait pouic. Ah bah ça c'est l'objet. Escamotage réussi. Tu ne 15. Touches pas cette... 15 pour 15, juste. Vous êtes pas en très bonne santé, les gens. Qu'est-ce que t'as fait ? Elle a gagné l'inspiration et 25 XP. Waouh ! Ah, mais oui, le petit gosse à côté, c'était lui. J'ai envie de le tuer. Oh, mais arrête avec ton âme de meurtrier. Ouais, c'est un voleur. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Ok. Alors, on va attendre un petit peu avant de descendre l'escalier, parce que de mémoire, il y a une cinématique qui s'enclenche quand on arrive en bas. Ah oui, mais c'est pour ça que je... Perception réussie, oh là là. Hey, je suis inspired. J'ai gagné un point d'inspiration. Je sais pas pourquoi, mais je suis ravi. C'est marrant, moi je vois toujours la même séquence. En boucle. Ah mais t'es en train de faire du commerce, c'est pour ça. Ah d'accord. Perte de temps. Non, c'est je sais pas pourquoi il m'a mis là-dedans, mais du coup je vais en profiter pour lui vendre. J'ai une hache à deux mains qui fait 2 à 13. Weird. Hache à deux mains qui fait 2 ouais, à 13. Ouais. Oui, bon, mon épée elle fait 5 à 18. Ok, ok. Non, mais c'est je la vends. Donc, hein. Oui, non, c'est... Il y a une hache dans le camp des fois qui est vendue, qui est intéressante et peut-être plus que l'épée que j'ai pour le moment, mais pour le moment, non, l'épée, je pense que c'est la meilleure arme que je puisse avoir pour le moment en deux. On est OP là, on descend ? Oui. Ben, let's go.
daughter go right now. She's a thief, Hellspawn, and you will wait for Corga's judgment. Il y a un nounours. Get back. Il y a un disque. Let me through, Ragnarsham, or I'll rip your damn throat out. Oh là, il y a eu... Oh, le Werber. Ah, non, c'est juste... Tu t'es transformé. Ils ont pas l'air d'être super. Ouais, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'attaques tout le monde? Non, j'ai pas attaqué. Qu'on soit clair, j'ai attaqué personne. J'ai avancé là où était Arda. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ah mais c'est les druides et les tieflings qui se tabassent en fait. J'ai pas piquant je... avec. Bah je sais pas, je suis en cinématique là. Moi aussi, mais je comprends pas ce qui se passe. De quoi, de ouh. Ça va pas douloureux. Faire de bien. What the fuck? Ah bah d'accord. Hey, oui. T'es sûr c'est des druides ça? C'est, il rigole pas ce druide. Alors comment dire, je pense qu'il a un petit trauma crânien. Mais, c'est pas des druides ça. Bah écoute, moi je veux bien buter les druides hein. Les tieflings au moins ils étaient gentils. C'est quoi ces druides là? Let's go. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? T'as vu la même cinématique que moi non? Ouais. Oui mais pourquoi? Bah je pourquoi je comprends pas. Pourquoi il y a la moitié de la planète qui se casse là? Bah je pense qu'ils vont aller fracasser les tieflings. Allez, on continue. Bah non. Bah je sais même pas d'où ça vient. Mais moi non plus. Mais qui sont ces gens? Bon. Mais après c'est le camp qui est contre nous là. Mais non. C'est juste ils se foutent sur la gueule dans le camp, c'est tout. T'as les tieflins et les druides qui se tabassent quoi. Écoute, on va voir ce que ça donne. Ouais, mais je trouve ça un peu chelou quand même parce que on a même pas eu le temps de. J'ai vu une cinématique, ça m'a proposé des choix et ça a coupé. Ah, c'est dommage parce que je crois que le petit bonhomme qu'on a sauvé avant, et ben on va lui casser la gueule. Mais non, là, ouais. Le petit bonhomme. Non, là on tape des druides là. Ah oui, mais Findal, celui qu'on a sauvé, le Findal, bah on le tape aussi. Mais non, ah. Je pense que ça doit être un bug. Y a pas de raison qu'on se fight avec ces gens. Normalement, on doit pouvoir discuter. Je sais pas ce qui s'est passé. On peut discuter bah, là, peut-être. Oula. Moi, je suis pas enraciné. Oh. What the fuck. Bah, il vient de cramer les plans de ton pote. Bah, j'entends des jets de dés dans tous les sens là, vous aussi. Et ouais, parce qu'en fait, ouais. Là-bas, là, ici, là, par là, plus loin dans cette direction, ils se tabassent en fait, les gens. Ah, oui, c'est ça. Oh lolo. C'est dans ces moments-là où c'est relou qu'il n'y ait pas de sauvegarde auto, où on peut pas aller. Mais y'en a des sauvegardes auto, normalement je comprends pas pourquoi elle se lance pas derrière. Oh mais c'est géolocalisé. Ah c'est pas sur un timer. Ouais non. Je l'ai insulté à mort. T'as été content, t'as réussi. T'as réussi dans une gueule dans le feu là, ça va bien 5 minutes. Après je vais crever hein. C'est ça qui va se passer. Bah je suis après, je peux te soigner. Non, surtout il est buté lui là-bas. Ça par contre, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Mais moi non plus. Ah oh oui, viens. Parce que je suivais la cinématique d'Arda et puis vraiment t'as eu genre attention le gosse machin, il aide machin et t'es là genre. J'ai pas eu l'impression que t'as pas eu le même dialogue que moi en plus. Ah mais y'en a des nouveaux qui arrivent. Non il était déjà là lui. Ça arrive, j'ai jamais vu. On peut se déplacer là ou toujours pas? Ah c'est bon, on est plus un tangle.
viens là, toi. Faire de tête. Casse-toi. Ouais, je vois. Ça, Arda a engagé une conversation. Machin a perdu état. Et. Atémir a engagé une conversation et tout est parti en couille. Faut pas entamer deux conversations même endroit, même temps. Mais j'ai même pas entamé la conversation, j'ai rien fait du tout. Genre, je te dis, je suis allé à côté de toi. Genre, j'ai parlé à personne. C'est fou quand même. Oula. Bah, faudra voir ce qu'il en est. Attends, là, il m'a attaqué. Pourquoi? Ah, ça marche que sur les attaques. Ça, il est costaud. Il s'est fait bouffer par des gobelins, quoi. Sérieux? Qu'il est naze. Clé des anciens. Donc on continue avec ça? Bah je pense pas. Non, Faudrait voir un peu. On peut pas se permettre, on loupe toute une partie de l'intrigue là. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a... En fait pour notre quête de soins, en fait faut s'adresser à la druidesse en chef qui est dans le secteur là. Et ah, voilà, alors on peut pas, on vient de buter tous ces mecs. On l'a buté la pauvre druidesse. Mais après c'est dingue Mais c'est fou franchement, je vous dis, en gros Arda t'étais genre là, au sol. Ouais, en fait je pense que je suis allé trop loin, la cinématique elle aurait dû se déclencher bien avant. Et en gros, moi j'étais loin et j'ai cliqué là, et je suis en mode je vais me mettre à côté de toi quoi, tu vois. Ouais mais c'est pour ça en fait que ça déclenche les combats, ils te disent de surtout pas passer. Ils te disent ouais stop, arrêtez-vous. Et toi t'as dépassé. Moi j'étais déjà plus loin derrière. Okay. Bah, je pense que c'est ça qui a lancé le combat. Ah oui, ouais. Et donc en gros, moi j'ai avancé alors qu'ils avaient dit qu'il fallait pas passer. Mais en fait, ouais. Tu vois, c'est ça qui est relou, c'est que comme ça te met pas automatiquement dans la cinématique, bah en fait, t'es même pas au courant en fait de cette info. Allez, t'as le droit de recharger Katox. Je vais voir s'il y a pas une option pour foutre directement dans les cinématiques comme ça. Non, il faut juste faire attention. Ah, c'est relou. On reprend juste avant qu'on ait sauvé le petit gnome. Ah, sinon, dès que quelqu'un lance un dialogue, vous le dites comme ça, au moins on est sûr. Ah, ouais, c'est ça, parce que sinon. Bah, surtout si le gars dit. N'avancez pas plus. Mais j'ai même pas eu le temps de lire le truc. Et je pense que c'est ça, les deux fois, parce que regarde, quand t'as ouvert la porte tout à l'heure avec la meuf qui était dans son petit KGB avec les pattes coupées. T'as ouvert la porte, je pense que t'as ouvert la porte, c'était pas le problème, c'est surtout que t'es rentré dans le bâtiment et c'est ça qui a déclenché le bidule. Ah, on était là. Ouais. Ouais, on était là. Hop. Et bah, let's go. Ah, par contre, j'ai. Il faut que je récupère la vidéo précédente que j'ai supprimée. Bougez pas. Faire un montage de petits oignons. Oh, j'ai gardé le même épisode, moi, hein. Tant pis, hein. Ce sera marqué l'épisode du fail. Ou save scum. Ou vous ne passerez pas, c'est bien ça. Vous n'avancerez pas, surtout dans les intrigues. Oh putain, ça va pas mettre la corbeille, c'est quoi cette merde? Bon, j'irai le récupérer plus tard. Je relance le record, voilà. Faudra qu'on se mette d'accord sur les épisodes du coup. Ça va être un espèce de bazar, votre bidule. Oh oui. Ça va être beau. Allez, on rentre là-dedans. Let's go, c'est parti les amis. Donc, on se rappelle. Il faut aller appuyer sur le truc bleu là-bas. Mais d'abord, faut être caché, parce qu'il y avait des mobs. Il faut expliquer aux gens qu'on a peut-être eu quelques petits soucis. De conflits d'interaction entre plusieurs éléments. On va dire que les deux sont très tatillons sur les distances de sociales, de sécurité, je ne sais pas, mais il y a des limites à ne pas franchir. C'est désactiver ça. La statue si jamais. Moi je suis prêt là. Oui. Vas-y, on se met tous en place et on les dépop. Bah, quand vous voulez. Hein. Je suis un ninja. Et oh, bien joué ça! Je vais. Attends. Je suis un double ninja. Vous êtes prêts?
suis ouais, prêt. Vas-y. Tu tapes où, Weird? Ouais, moi, je vais taper le guerrier Gresh. Gresh, c'est qui? Ok, le guerrier Gresh. Je vais lui faire ça. Je l'ai. Marche. Je pense que je peux à peu près one-shot tout ce qu'il y a derrière, mais... Oula. Je vais attendre que vous ayez fini vos actions. Ah bah c'est bon, de toute façon il y a la sulfateuse man là qui s'est mis en route. Ah non, j'ai mis. Et du coup comme j'ai mis, je peux rien faire. Ah c'est embêtant. Ok. Pourtant j'avais fait un 11 sur l'œil de lynx quoi. Bouah et... Ça c'est classe quand même hein. Pas à dire, y a l'autre difficile, ça claque. J'y suis allé peut-être un peu bourrin. Ouais, tu la lances au niveau combien du coup? Niveau 2. Il est... Ah, il en reste encore un là au-dessus. Oui. Ouais, mais faut que je me déplace un peu. Bah, surtout que c'est Atémir là qui doit... Bah son... j'avais... Ouais mais j'avais passé, je sais pas, il... Ouh, Ah, tu peux passer et puis. Là, je te vois tourner. Ah putain. Non, mais en fait, il voulait pas, j'étais en saut, mais j'avais pas d'action donc. Il se passait pas grand chose. Pourquoi je peux pas changer d'arme? Bon, bah tant pis. Oula. Ouais. Ça a été expéditif. Bon, là, tu es comment le gars là-haut? Bah, il s'est pris une flèche dans l'oreille. Ah, solide. Je suis en conversation avec le gnome par terre. Ouais, vas-y, attends, moi je vais juste l'aider. Non, le soigne pas. Oh là là. Non, tu peux pas l'aider, j'ai déjà essayé. Ah, bon. Il y a le sort à prendre. Si jamais. Dans la caisse. Oublie pas que j'ai la clé. Hein. Je sais où la trouver. Ouais, alors par contre. La clé du coffre eu... Ouais. Quelqu'un qui a une main de mage ou pas là, comme ça évite la catox. Je vais voir si je peux tirer dessus en fait. Ah vas-y, je vais essayer. T'as deux sorts si jamais. Je les ai pris. Non, ça ne marche pas de tirer dessus. Et du coup, tu peux apprendre tous les. Normalement. Ouais. C'est utile ça. Mais t'as pas. Y'a personne qui a une main de mage là pour aller appuyer ce bouton de loin. Et sinon, je fais ça. Hop. Ouais, okay. tu vas te refaire encore. Ben non, parce que si tu le fais en discrétion, en théorie... Je passais tout doucement. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il faut passer en discrétion. Du coup, t'as pris ce qu'il y avait dans le coffre piégé ou pas, Atémir? Bah, je sais pas, manifestement, Katox disait qu'il avait la clé du coffre, donc plutôt que de dépenser des kits de désamorçage et des kits de je sais pas quoi, je me suis dit que j'allais attendre. Ah, c'est une bonne idée. That's a really parce good que, idea. Parce que pas forcément envie de payer pour ça, quoi. Trap. Est-ce que la clé, ça désarme le piège? Ah, je pense pas. Ouais. Et du coup, il y a un bâton pour Arda dedans qui est pas mal. Vas-y. Le piège a été désarmé comme ça? Bah, avec la clé, manifestement. Oh, avec la clé, oui. Oh, c'est joli. C'est beau. Vous avez évité toutes les caisses. Là, ça donnait sur rien et là-bas, ça donnait sur l'extérieur. Donc, on peut couper et revenir directement. Du coup. Ah oui, vous êtes passé où? On sort par là où on est rentré. Ok, j'arrive. Juste. La question que je me pose, c'est faudrait pas juste activer la porte ou elle est activée pour. Comment ça? Ah, là-bas? La porte que dans sur l'extérieur, tu penses? Je sais pas. Bah, bon, je peux même pas sortir. Si, si, on peut. Ah non, c'est la porte avait pas chargé en fait. Ah. Alors, est-ce qu'on va reparler à notre. Attends, on va arrêter les verres dans 30 secondes. Moi, je vais rester. Non, déjà, je vais rester derrière et je vais rien faire. C'est ça que je vais faire. Je vais lever les mains et puis je vais attendre un peu. Exactement, je vais me mettre là. Et je vais cliquer sur les oreilles quand je les vois, vous me dites il y a un combat, j'arrive. Bah non, mais viens, c'est juste avance tout seul pour éviter de... Est-ce que tu veux refaire encore une fois? Ah les gamins là? Non, c'est bon. Je pense que c'est bon.
J'ai fait assez de trucs avec les gars. Oula. Eh, ça rame, ça rame fort, hein. Ouais. Ouais, c'est parce qu'on est très éloigné là. On va attendre qu'il arrive. Quelqu'un qui a du charisme veut-il passer en premier? Oula, quelqu'un qui... Allez. Quelqu'un veut sauvegarder surtout. Ah ouais, ouais, vas-y. Please let us through, it is forbidden. Voilà, donc attends, doucement. Moi je vais rester là, là. C'est pas ouais, 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 on est vraiment bien. Au-dessus, on est vraiment au-dessus des escaliers, quoi. Ça, c'est des antisociaux, quoi. C'est terrible. Attends, pourquoi ça... Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'il faut réavancer un petit peu après. Ah oui, donc ça, c'est la première cinématique. Ouais, voilà. Et nous, on est passé derrière. Exactement. Pendant leur cinématique, en fait, c'était ça le truc. Voilà, je pense que ça ne leur a pas plu. Tu vois, les ignorer et avancer. Effectivement. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Voilà. Voilà. Ah oui, bah, c'est sûr que ça. Tout de suite, la communication, hein. Ah bah ouais, ça se passe vachement bien, hein, quand tu t'envoies pas faire foutre les gens. Genre, hé, hey, vous, ne passez pas, d'accord. Super, super, j'avance quand même. C'est ça. Ah, il y a un marchand. Quoi, vous voulez pas que je dépasse cette limite-là, là, celle-là? Est-ce que c'est toi, le marchand? Oh, il y a un oiseau. Il y a une pure. Ah, attendez, là, il est déjà en train de parler à un... Il y a des portes en pierre, il y a des gens qui parlent à tout le monde. Bon, mais manifestement, c'est un marchand là où je suis. Faudra regarder. Et Katox parle à un oiseau. Pourquoi ça rame de fou là? He lets out a tentative chirp. Gaining confidence, he starts a song, abandoning his nest building efforts. Cui, 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 cui. T'as voulu du coup, t'as pelouté le nid, c'est ça? C'est ça. Il y avait quoi d'intéressant dedans? Une clé. C'est intéressant. Moi, je m'occupe de l'ours. L'ours qui fait dodo? Oui. Oh! Merde! Quoi? Bah, j'ai fait un échec critique. Ah, je peux reroll. Ah oui, t'es inspiré, donc normalement tu peux le récupérer, non? Oui, c'est vrai, ça, je réussis. Ah, belle bête. Il a fait groove. C'est vraiment... C'est moi le matin, quoi. Je me lève, je fais deux pas, je me rendors. Ok, attends, bon. Attends, sur la plateforme un coup. Maintenant, faut aller voir Kaga. Je vous ai dit. Kaga. Avant ce temps, Atemir est en train de faire du commerce. Non, il a fini. Bah, en fait, j'ai essayé, mais le gars voulait rien me vendre. Ah. Du coup, ça n'a pas marché. Je parle au cochon. Alors, je parle au cochon. Je parle au cochon. Mais qu'est-ce qu'il dit, le cochon? Il cherche Alcine. Bah, il fait ce mot, ah, bah, tant mieux, lui aussi. Il cherche à s'accoupler. Oula! Il cherche à s'accoupler. Allez, go! Il est un peu bizarroïde, des druides. Kaga veut nous voir. Ah, je te vois. Du coup, laisse passer ceux qui ont du charisme. Attends, il y a même. Ouais. Oula, ok. Oh! Un serpent. Please! I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a. A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the Tagus. And I will cast out every stranger. Ok, on a trouvé le nazi. Pour ceux à l'épisode des cassos.
C'est des nazis, c'était Grave. les druides, je sais pas ce qu'ils ont fumé les druides, mais ils sont Non mais tarés. moi je pense qu'il faut tous les buter. C'est des isolationnistes. Girl, you mean parasite. Ah oui, on est là. Ouais, c'est beau les idéaux. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Koga. We took back the idol. Surely... Do it. Je peux faire la détection de pensée. Ou la persuasion du barde. Qu'est-ce que je tente? J'aime bien la persuasion du barde. Je trouve ça assez poétique. Let's go. 15, ok, on va se mettre un petit bonus. Ah, je vois pas ton lancer de dés. Déçu. Non plus. Hop, je suis en avantage. J'ai plus 5 en total. Je peux pas avoir le soutien du priest? Y'a pas? En fait, on voit pas le lancer de dés. Oh, damn. Oh, je vois pas ton jet de dés. Bon, bah, tant pis. Let's go. C'est bon, ça passe. 16 plus 5, 21. Pour une difficulté de 15. Ça devrait aller. Ça passe. Je lui enseigne sa religion, quoi. Allez, tiens. Les mots du Tree Father, parlé spoken plain. C'est comme vous le dites. Sif, sif, Teela, à moi. Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Ah. Ouais, y'a un petit feeling is no good, en fait, hein. En fait, c'est elle. C'est elle le problème. Ouais, grave. Elle est pas très très gentille. Elle est un problème. Tu veux parler au rat aussi ou bien? Oh ouais, vas-y. Il me dévisage. Et l'autre? Il y a un coffre. Oui, alors on peut pas forcément courir. Il y a un coffre. Il est rouge, donc ça suffit. Je vais disparaître parce que comme j'ai lancé un sort pour avoir un avantage, quand il disparaît, il y a une chance qu'elle m'en veuille parce que je l'ai enchanté. Là, il y a un coffre, mais il est pas rouge. Est-ce qu'on pourrait pas regarder ce qu'il y a dedans? Y a tout le monde qui s'est split là. On va où? On fait quoi? Moi, je suis caché, c'est tout. Oui, alors. Vous me dites quand l'enchantement est terminé, voir si je peux. Bah, moi, je te vois. Hein. Et pourquoi t'as pris la potion des géants? Quoi? T'as pris l'élixir des géants des montagnes, hein. Enfin des collines. Oui, je sais pas. Double clic dessus, ça l'a pris, tant pis. Mais vous pouvez pas me filer la vôtre? Bah oui, je voulais juste la dépasser à mon inventaire. Bon, ça va, elle a pas l'air de m'en vouloir. Ah, je peux parler à l'oiseau, attends. Ouais, je crois que c'est pas parce que tu parles avec les animaux, ça. Ah si. The bird says nothing. Trying to rest. Moi j'ai trouvé Nettie, la personne à qui on était censé parler, qui était potentiellement capable de nous soigner d'après les deux tiflins qu'on avait trouvé quand on a muté la guise. Hey, salut Nettie. Tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Nice. You need to be quick. This way. Sympa la statue là, de Serre. Ouais, c'est leur dieu.
something in that vessel. C'est moi, il y a un marqué draw disséqué. Oui. Oui. Seems so. Give Master Halsen a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this, all right? Let's see what we can do. Oh. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Ouf. Ok, personne n'est d'accord. Oh, les deux. Ah, les deux schlagos, là. Ouais. You sure? Ouais, certain. All right. I suppose that makes things easier. Give me your arm, please. Bah, je tends le bras. Hein. Jamais. T'as vu, c'est des nazis. Elle va encore t'avoir. Bien, yeah, ouais. Mais elle t'a empoisonné. Bien, ouais, Allez. Ah, c'est bien de ne pas lui avoir dit la vérité. I'm sorry. Maybe Master Halsen could have plucked it from your head. But I can't. Without him here, the only treatment for an illicit tadpole is death. Oh, bah, elle t'a tué. Allez. I'm truly, truly sorry. For what it's worth, the poison is painless. It'll be like going to sleep. Oh là là. Génial. Je vais tenter un truc de nature, mais je pense pas que je vais réussir. Je peux te mettre... Attends, j'aurais pu te mettre un bonus, moi aussi. Ouais, t'aurais pu... Bah, ça, oh, tu peux... Oh, ah, bah, putain, on voit qu'il était là, le... From the Dale lands. Ah, Kalimbor. It's a cure, but try as you might, you can't recall it. I won't. I can't. Ouh, ça va être compliqué. Attends, je te mets un petit bonus là. Tu veux un avantage? Ah, j'aurais pu te donner un avantage avec. Oh, ça va. Ça va passer. Oui. Un speedbar d'à plus 6. It's a risk, but maybe you deserve a chance. Merci. Merci. Master Halsen did say the drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. Now this is a vial of wyvern poison. It's quick and painless. Swear to me you'll swallow it if you feel any symptoms. Je le jure parce que je sais mentir. Thank you. Here. And here's the antidote. Do not mix those two up. Petite plante. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly there's dozens of you. C'est la mauvaise bouteille. Trying to figure out what the hell is going on. J'adore la nana. Je sais pas te soigner, par contre je peux te tuer. Ça n'a aucun sens. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Ouais, allez. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite.
7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that? Ouais, je suis chaud, là. On va partir à la recherche d'Halsin. It would mean everything to the group. Ah, ça, une des solutions. De toute façon, ils ne vont pas pouvoir nous tuer si on les tue en premier. Exactement. Ce qui est mort ne peut pas nous tuer. Exactement, on va faire une petite battue aux gobelins. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux quand même, les gobelins. Ouais, bah, c'est bon. Ça fait 10 p. C'est pas grave, on est 4. Exactement. Et nous, on a un mois de sulfateuse. Je sais pas, mais... J'ai gagné une toxine de vouivre. Let's go. Alors ça, dans mon souvenir, c'était pas mal pour foutre sur les armes. Ah, y'a que toi qui l'a eu? Bah ouais. Oh. Je suis un privilégié, que veux-tu? Ouais, give it to me. Allez, elle va m'en donner une aussi. Ah, mais je sais pas si je peux mettre... des fioles de poison sur mon arme enflammée en plus. Ça se cumule pas, je pense. Ça me surprendrait quand même. Non, généralement, le feu et le poison, ça fait pas bon ménage. Ouais, oh bon. Ah oui, on pourrait voler plein de trucs, mais on va pas faire. Résister à la tentation. Ah non, moi je suis pas un voleur. Ça, ah, j'ai un nouveau à trouver quelque chose. Bah, c'était moi, mais faut pas. Un truc s'appelle antidote. Ok. Bon, bah très bien. Eh, hey, on n'aura pas du tout galéré pour en arriver jusque là. Ouais. Belle bête, le loup. Ouais, hein. Ouais. On sort d'ici. Ou vous avez encore des choses à looter? Oh, je pense que quand on sera copain avec eux, on pourra leur vider leur... Il y a un coffre là derrière. Ouais, ouais, mais... Quand on sera pote avec eux... Ah tiens, le Wicker Chest par contre. Genre, mais vraiment là derrière. Oula, derrière la bibliothèque. T'es parti à Pédio. Le coffre de Kaga. Ah bah, quand on leur... Quand on... Je pense que quand on viendra... Rouler. Bon, je peux rien faire pour le... Elles sont super belles les fresques, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais... Il y a une fresque immense, en gros, de, tout autour de la pièce, et... Oh. Elle est super belle, c'est vraiment dingue. Ça va être l'histoire de Sylvanus. J'ai Kaga. C'est drôle parce que dans Sylvanus, t'as Syl. Je m'y attendais. Depuis tout à l'heure, je me dis, quand est-ce qu'il va la faire? Quand est-ce qu'il va la faire? Quand est-ce qu'il va la faire? Oh là là. En fait, on aura parlé après, parce que... On est parti sur les trucs, mais il n'y a pas un truc qui... Genre le mec qui s'est fait bolos par sa chef. Eh ben, c'est Rat, non? Ouais, c'est Rast. C'est celui à qui je... Well seen, well spotted.
We've let a snake replace our leader. One who tried to steal from us. Yet she failed. Master Halsin. Perhaps Goblin called, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the rite is finished. So many more. Sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Ah, il a dit qu'il donnerait tout, donc on pourra piller son bosquet, son problème. Vraiment tout? N'importe quoi. Tu lui piques son petit chapeau. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. This will all be over. Et ben nous, voilà. Ouais, en route. Ah bon ça, la plage. Qu'est-ce que tu veux faire à la plage? Je sais pas, j'ai envie d'aller me baigner, me prélasser un petit peu. C'est pas très nanesque. On dit nanique. Je peux ne pas avoir envie de la plage. Attendez, parce que vous avez ouais. Parlé à Kaga, moi j'avais une quête où il fallait lui parler. Ah bah allez, retournons voir Kaga. Enfin, je sais pas sur la carte, elle est en carré. En mode il se passe quelque chose si on lui parle, histoire de sauver les réfugiés ou je sais pas quoi. Ouais, les sauver, on voit comment elle veut les sauver. Hein. Ouais, je ah pense oui, que... Vu la logique de Nati là. Sauver, ça peut inclure la mort, visiblement. C'est des tarés, c'est tout. Ah mais ça, ce que je disais tout à l'heure, ça te fait penser à l'épisode des Cassos, tu sais. Je sais que vous me prenez pour un monstre, mais totalement. Pas de mettre une... Seul un monstre s'en prendra à une enfant. Après, j'ai une super simple curiosité. Ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue. You don't see a monster. You just look at me through one's eyes. You are like the devils. Where they tread, chaos follows. Oh, alors là. No matter. Ooh, dur. I took back the idol of Sylvanas, and the rite has resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Ouais, si on peut la bolo, celle moi. Bah on peut, mais je pense qu'on va bolo, on va se faire bolo par l'entièreté des druides. Ouais, ouais. On a tenté déjà, je rappelle. The rite of thorns. It is the tree father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout complètement forth. Taré. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. Et comment ils font pour se nourrir? C'est des druides, ils font pousser des champignons. C'est ça. Ouais, c'est cela. Ah, la tue, elle est bien, ouais. Ouais. A disease of the flower must not reach the root. Pluck the petals, sever the branch if you must. But cut out the rot before it infects the whole of the wood. Teachings of the Tree Father. Do you agree? Moi je lui connais pas trop. Oh ouais. Ouais. Words I heed to the letter to keep my brood safe. C'est pas la tienne de brood, débile. You show great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Mais c'est de plus en plus tentant de la taper, hein. Ah ouais, c'est une nazie. C'est une nazie. Honnêtement, moi, je t'avoue, là, de plus en plus, hein. C'est une foutue nazie. Dans mon cas, je préfère éviter la baston pour l'instant. Si on peut ramener Aslin à temps, ça devrait être bon. Ah si, j'avais peur, parce que sinon... Oula, c'est fou les trois noirs. Oui, ouais. Pareil.
Ah bah, faut le temps que ça... Ça charge. J'ai l'impression que plus on patiente, plus, enfin, plus on patiente, plus ça lag. Oui, peut-être qu'il faudra à un moment donné relancer le jeu aussi. Ça, peut-être ça pourrait aider. Hmm. Pourquoi j'étais en pantalon rouge, on sait pas. Allez, la bagarre. Bagarre. Non, la recherche. On va trouver un elfe druide. Qui bagarre. Ressemble plus à un ours. La bagarre. Alors là, il y a Katox qui va en direction de la plage, donc. Ouais. Attendez, vous voulez aller, non ? C'est là que vous voulez aller, non ? Oui. Ah bon ? Oui. Ouais. Et au final, vous avez parlé à Volo qui était censé vendre des trucs ? Ouais, c'est bon, je suis... Oh, il y a une barde. Elle parle à des écureuils. C'est pour moi. Ah, il y a un bouquin de chansons à côté. Ah, d'ailleurs, là-dessus. T'as les écureuils qui aiment pas le chant de la barde. Can't you hear it? Her singing. It's awful. Terrible. Hmm? J'adore. Ah, ouais, clairement. Ça, je vais la vexer. Clairement, tu vas la vexer, ouais. Des écureuils. Chanter avec la barde aussi fort et faux que possible. Ah ça c'est pas mal, j'aime bien. Elle fait son mieux, enfin. Ah ouais, ça c'est pas mal, ouais, j'avoue. Oh no, whatever shall we do? More witless creatures, more ear bleed. My head is melting. I'm leaving before the damage is permanent. Mmh. Ils ont fui les écureuils, ils ont fui. Ah, il y a un coffre verrouillé ici. Ah. Ils vont plus être verrouillés longtemps, tu vois. Words of mine will turn to ash when you pull the last light. Du coup, Katox ? Je complète les chansons. Ah, on dirait, n'oubliez pas les paroles. Moon reminds me of your grace. Ah bah. la tête du personnage. Oh, la vache. C'est pas du tout ça. Oh, la vache. Katox, j'ai trouvé un casque mieux pour toi, je te file. Cool. My dear old friend. Wait, that's it. Wow. Comment on a fait pour pas péter les cordes avec des griffes pareilles? Ah, t'es vachement en train d'écouter la chanson, Katox. Hein. Ok, petit bout, mignonne la petite. Hein. T'es intenable. Attends, t'as vu où il avait le regard? Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui suis intenable. C'est vrai que ça fait vraiment. Bon. Mais non, il ne regarde que la queue de la Tiefline. Tiens, c'est bizarre. Elle tient comment cette queue? C'est bizarre pour un costume. Ah ah. Well. On en est rendu là. Ça se voit qu'il est 1h du mat, hein. Ça commence à devenir grivois. Hein. Pouf, ça commence seulement. Ce qui se passe hors caméra reste hors caméra. En vrai, je chante bien. Ouais. Ah, je sais pas de quoi ils se plaignaient, les écureuils. Il faut savoir que la répétition était un peu dure pour l'oreille. Oui, j'avoue. En fait, c'est juste que tu regardes dans le vide et t'écoutes, t'es hypnotisé par sa musique. Ça, non, j'ai un effet Stendhal, quoi. L'effet Stendhal, qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de se sentir totalement submergé par une œuvre, qu'elle soit musicale ou visuelle, et de se sentir pas bien.
Voilà. Quand t'as lu le rouge et le noir, je suis bizarrement moins convaincu par ce procédé, mais bon. Et hop, le truc est fini, et on est tous enfermés dans un truc de ronce, et on est tous morts. Ouais. Elle est pas finie la chanson. Bon, t'as dit 270 heures de cinématique. Oh là 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 là. En fait, je reviens. Là, t'en as 200, tu vois. J'ai l'impression qu'elle a dit tout le temps la même chose. Est-ce qu'on n'est pas juste bloqué dans une boucle temporelle? On peut passer si vous voulez. Alors je veux bien, ah. Ouais. Non, ça se terminait. C'est la fin. Ah, tant mieux. Elle te tend le petit chapeau et tu donnes de l'or. Mais non. Thank you. I was having trouble. Elle a marqué. Où tenait le bambou? C'est probablement pas un lutte en bambou pourtant. Oh, tu parlais de lac de merde, on n'est pas rendu. Ah bah ouais. I don't usually. I'm all right. I haven't finished a song since Lihala died. I haven't played at all, if I'm honest. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Pour la 3 aussi. le pragmatique là. C'est ça. She'd yell at me for that meter and make me play it over and over again. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn for her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Là, hein, elle était terrible. Lihala made me love music. The sound, the feel, the thrill. But when she died, it was gone. Until now, I'd forgotten what it was like. That itch in my fingers to perfect a song. Perfect, c'est des grands mots, hein. Oui, c'est tout commencé quelque part. I needed this. Plagiat là, quand même, c'est toi qui as tout donné. Ah non, c'est bon, le crac crac. Ouais, c'est bon. On y... Ouais, je disais dans le coffre là qu'on a. J'ai ouvert, il y avait un coffre quand tu. Il y avait un chapeau quand tu donnes une chapeau inspiration de au barde. Ça heal la personne. Oh, nice. C'est trop bien! Oh, en plus, oh, il a un style. Ah, il y a de la chanson là aussi. T'avances pas trop vite. Attends le groupe! Ils sont où? Un danger n'est jamais loin. Ça chante plus là. Si ça chante. T'entends pas? Si. Ça sent les sirènes. Ou les cinq princesses. Mais... Par où est-ce qu'on doit descendre? Bah, je sais pas, moi j'ai cliqué en bas et ça m'a. Automatiquement en bas. Oula, il descend par ailleurs. Doucement. Ah, mais il y a un gamin en bas là. Oh là, ça sent le plan foireux ça. Du coup, vous partez, ah, vous j'ai trouvé, des ossements là. J'ai trouvé des ossements si jamais. Ah. Ça sent le plan foireux. Ouais. T'en fais pas, je suis derrière toi. J'arrive. Bah, y a des ossements. Dag Poly. Je crois qu'on peut sauter sur le caillou en face. Oui. Ah, c'est moins 3 PV. Non. Ah ouais. C'est une belle mu. Par contre, ça donne. Ah, 4 HP. Mais t'as pas fait les orphos là?
Non. Bah ouais, j'ai la popo. Ouais, pour ça. On va pouvoir faire le tour par en bas. Hein. Après, c'est un usage unique, je sais pas combien de temps ça dure. Vas-y, allez, je l'apprends. Hop. Hop là. Oh. What? Ah. Au secours? Ah, c'est des harpies. J'ai. Ça vole les harpies? Oui, ça vole les harpies. Ça vole de base? Ben. Oui. Ça a des ailes. Trop. T'as 24 PV quand même. Hein. Bah y en a une qui est quasi morte. Hein. Allez, Miss, laisse-toi. Ah oh, mais t'es en face toi. Ah oui, mais en fait, lui, il est dans la merde. Qu'est-ce que tu fous, en fait? Bah, j'ai sauté sur le rocher parce que je voulais tester la faisabilité. J'ai eu un petit problème à l'arrivée. Après, bon, j'ai 30 PV, donc normalement, ça devrait bien le faire. Bah, surtout que si elle m'attaque, là, je vais leur mettre... Ah, je vais les calmer, les deux. Hein. Je t'en prie. Non, bonjour. Ouais, bonjour. Hé. Hé. Allez, c'est parti. En avant la chanson. Tiens. Putain, 16. Ça, c'est goûteux. Bah, c'est une réaction que j'ai en étant prêtre de la tempête. Mais toi, tu joues la chanson pour essayer de contrecarrer le. Ah, ça part en Magic Missile, j'ai l'impression. Ouais, elle peut les avoir. Hein. Allez, et ça dégage. Ah, tu lui as viré sa concentration en plus sur la chanson. Exactement, c'est pour ça que je lui ai visé elle, bien comme un gros sac. Bon, je lui ai fait que la moitié de ses PV en dégâts, mais. C'est mieux que rien. C'est au gamin. Hein. Oui, c'est bon. J'allais courir. Je pense que c'est le bon plan. Ah, c'est bon. Qu'à le retour. Allez, 3, 2, 1. Appuie chanson. Ah bah oui. Et bah je pourrais la faire. Bah hop. Tu peux pas en pousser une dans la flotte? Ah, j'aurais pu. Ah bah attends, je vole. Je peux pas annuler mon. Ah non. Ça vole. 6 mètres c'est quoi? Ah 6 mètres ça fait short hein, quand même. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que je peux sauter là? Ah oh, c'est chaud. C'est... Ah oh, mais je sais même pas comment je fais pour venir te voir. Hein. Moi je peux pas. Hein. Bah c'est pour ça que je voulais tester en étant sur le rocher haut si je pouvais aller y aller. Et bon bah j'ai pu mais... Ah bah si après j'ai ça tu me diras. J'ai ça tu me diras. Et là tu peux aller où tu veux. Bah globalement j'ai l'impression que oui. Du coup oui. Ah c'est trop bien. J'ai l'impression que je peux effectivement. Si quoi, un potion de vol. Ouais. Ah bah dommage hein. Vous avez de potes je crois. Aïe. Ah mais elle va bientôt mourir. Attends Harpy. Attends. Cutting words. Bon. Énorme ce que tu lui as dit. Ah, ouais, c'est une réaction Elle fait un malus de moins 1d6 au jet d'attaque et au test de caractéristiques. Ok, Featherfall c'est 10 tours. Ah ça va, t'es large. Ouais, je croyais que c'était à usage unique, je savais pas que c'était... Et c'est Flight ou Featherfall? Bah moi j'ai pris Featherfall et Moi j'ai pris Fly. Ouais. Alors... je sais pas si... Il y en a encore une qui a 24 PV. Ouais, t'inquiète, je vais la défoncer. Je
T'inquiète pas. Elle va passer un sale quart d'heure. Ah, vas-y, je vais essayer de buter celle-là. Bon, bon, hop là. Concrètement, elle va se prendre trois coups dans la tronche. Là, est-ce que je la pousse ou pas ou... Ah bah je t'avoue que si tu la pousses, je peux plus la taper, donc je pas donc, trop non. Chaud, mais... Surtout que ça vole, donc elle va pas prendre des dégâts de chute. Bah c'est, en fait c'est un peu mon problème, c'est que j'avais un spell que je voulais tester, mais effectivement... Ah elle est hébétée, c'est bon ça. Ça va être bon ça. Vas-y, me lui la gueule. Ah tu voulais pas taper celle qui était juste à côté de toi, Katox? Là. Effectuer 5 attaques en un seul tour, vos ennemis il en reste prendront une pas à 2 PV. Ça vient. J'ai oh, rien. Oh, lui, quoi. 1 PV, c'est cool. 1 PV, quoi. J'ai 1 des 4 de dégâts, c'est 1 PV. Ouais, bah c'est quelle bon, de toute façon, regarde. Quelle déchéance. J'ai fait un succès. T'as l'USR Force qui arrive. Et tu peux l'utiliser autant de fois. Oh, c'est cool ça. Aouh, ah, chaud. T'inquiète. T'en fais pas. Je suis cléric. Je suis un clair. Je suis un clair. Allez. Ah, ça fait loin. Bon, un petit. Le gamin, c'est bon. Bon, ça s'est bien passé. Oui, surtout oublie que Katox est encore mort. T'inquiète, ouais, c'est pas grave. Je vais relever. C'est pas... Oh, en vrai, ça va. Vous parlez au gosse, hein? Wait, you should meet Mol. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donnie. Tell him you want to see the dragon's lair. Let's go. Ah, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans... dans la caverne qu'on a vu tout à l'heure. On se ferait pas un petit short rest là? On peut se tenter un petit short rest, ouais. Attendez, je suis lourd moi. Ah oui, non, attends, si on le fait, c'est bon, y'a pas besoin que je sois à côté de... Normalement non, mais de toute façon, là je sais pas s'il y a d'autres trucs à choper. T'as des... Tu vois des choses quoi? Y'a un coffre dans... Ouais, y'a un coffre. Ouais, allez, là tu... C'est tout? Attends, regarde, il est là-bas. Forcément des trucs par là, non? Ouais, je dis, on les laisse chercher. Ah, il y a un nid de harpy là-bas. Il y a un nid de harpy, où ça? Voilà, ah, ouais, oh! Ah bah! Ah, il y en a un qui va être content. Il y a un anneau pour faire le sort Color Spray. Ah oui, je vais être content, oui. Ouais, c'est bien. Il y a un truc qui s'appelle Je Regrette. Quoi? Désolé, c'est passé tant de choses. Je peux pas baigner le nid, là. Oui, mais je vais retourner voir Arda. Non, tu peux pas, ça prend 0 dégâts à chaque fois. Oh. Est-ce qu'on peut aller pour aller à la hauteur de... J'ai pas l'impression. Là, ok, c'est bon, j'arrive. Là. Bien. si je saute un peu trop bas, je meurs, j'oublie que j'avais qu'un PV. Ah oui, c'est quoi de l'occasion. Mais genre, c'est je pense. C'est mort, c'est pas inconscient. Hein. Oui. Tu veux faire le short rest ou... Bah, on va faire un short. Hein. Moi, j'ai utilisé ma chanson de short rest. De toute façon. Tu l'as ou tu vas? Je l'ai déjà fait. Oui, il l'a déjà fait. Je l'avais fait juste après la rencontre avec les gobelins. Oh, il y a un truc par là aussi. Par où? Bah là, d'office, attends, t'as une piste qui s'arrête avec deux poteaux, là. Ah ouais. Où est-ce qu'ils sont cachés? Ah ouais. Oh là là, c'est vrai que j'oublie qu'on peut sans sauter. Sans observation, en fait. Les gars. Ah mais j'oublie qu'on peut sauter.
Une arbalète légère, une glande à soie et 22 de gold. Bon bah. C'est toujours spoil. Toujours ça. Et ça continue hein hmm. Et ça continue. J'ai pas la. Quoi, ça continue. Je sais pas, y'a d'autres piliers non. là. Non, je crois que c'est juste pour essayer de noyer le poisson. Techniquement, derrière la cascade, il y a un truc, mais on n'y accède pas de ce côté-là, je crois. Il y a un truc derrière la cascade. Ouais. Allez, repos court, ça vous va? Ah ouais, je pense savoir comment y aller. C'est deal. Tout à fait. Parfait. Allez, on va vite se faire passer dans la grotte des gamins. Oh, parce qu'après, du coup, il sera temps de clôturer l'épisode, ça fait 1h20. Ah oui, bon alors du coup on va clôturer l'épisode, on va juste devant les gamins et on clôture l'épisode là. Ok. On va sauvegarder d'abord. Oui. Ah. Allez, faut... la gamine. Bah ouais. Faut trouver mais quelqu'un là... qui s'appelle Moll, mais je sais pas où il est. Ah merde. On va se stopper là, ce sera très bien. Allez. On vous dit à tous, des gros bisous et à la prochaine. A bientôt. Bisous YouTube. A plus.